Bonjour, c'est Fatima Tuteur, alors c'est pour apprendre à faire une boule comme ceci. Alors là, je fais couleur unique. On peut faire comme moi, couleur différente. Alors, on aura besoin d'un couteau. Voilà. Deux, trois couleurs. Maintenant, les couleurs, vous faites le nombre de couleurs, tout ça. Vous faites comme vous voulez, mais il faut minimum deux couleurs. Et une boule, comme vous voulez, la couleur que vous voulez. Alors moi, je vais faire couleur un peu mélangée, voilà. Et je prendrai trois couleurs, alors blanc, numéro 0, rose, numéro 21, et bleu, alors le numéro, je l'ai plus, voilà, oui, voilà, c'est un peu d'une couleur. Commençons. Alors, vous prenez votre blanc, vous en faites un boudin, alors moi, je vais en prendre moins, je vais en prendre très peu, comme ceci, voilà, un boudin. Vous prenez votre bleu, votre bleu, je vous place à la machine, vous l'étalez, voilà, et vous enroulez le blanc avec, et vous faites la même chose avec l'autre couleur. Voilà, dès que vous l'avez fait, vous arrondissez. Voilà, alors vous l'arrondissez vraiment. Voilà. Comme ceci ou même plus, je vais le faire très plat, et vous faites en sorte de prendre une longueur égale. Alors vous avez le choix entre 3, 5 et 7 pour vous les couper en longueur égale et après vous les superposer. Alors moi je vais faire 3, donc je fais ça, je vais faire 1, 2, 3, voilà. Bon, c'est pas obligé que ce soit très équivaut. Hein. Et vous roulez. Voilà. Dès que vous avez assez roulé, vous prenez votre troisième boule, normalement. Voilà. Vous prenez votre troisième boule et vous coupez des morceaux de cette boule. Vous coupez des morceaux pour les mettre sur cette boule-là. Dès que... Alors, vous placez... La boule, elle est tombée. Voilà. Dès que vous avez fait ça, voilà, vous les placez. Vous les placez de cette façon. Alors, vous les placez sur tout le tour de votre boule. Alors, si vous voulez, vous pouvez les placer de façon à faire une fleur. Bon, moi, c'est pas très terrible. Mais alors, faire une fleur, alors il y aurait une fleur sur votre truc. Voilà, alors vous en coupez tant que vous voulez. S'il en reste, c'est normal. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait en fonction de votre pâte. Enfin, pas fait en fonction de votre boule. Voilà. Bon, je ne sais plus comment s'appelle cette boule, mais voilà. Quand vous avez fini, alors vous pouvez le mettre en porte-clés. Alors, je vais voir. Peut-être ce que je vais faire. Allez, je prends un porte-clé. Voilà. Ovali, tais-toi. Voilà. Alors, je sais pas bien le faire. Vous n'êtes pas obligé. Excusez-moi, je suis enrhumée. Bon, ben voilà. Merci d'avoir assisté à cette vidéo et au revoir.